Le stade Kachala Bonzola et la préparation de Sa Majesté Sangabalende aux compétitions interclubs de la CAF, deux questions majeures au centre de l'entretien entre le ministre des Sports et Loisirs du gouvernement de la République et le gouverneur du Kassai Oriental qui séjourne à Kinshasa. Willy Bakonga Willima a demandé qu'il lui soit déposé en urgence un état des besoins qu'il va personnellement verser dans les circuits du trésor public. Le premier besoin, c'est du stade. Vous savez très bien qu'on a construit ce stade, il est à 80% des travaux, réalisation. Et il faut l'achever. Nous avons besoin d'un montant de 600 000 dollars pour pouvoir terminer les travaux du stade et le rendre opérationnel. Le deuxième problème était celui de la préparation de notre équipe qui joue les compétitions africaines, Sangabalende. Alors comme toutes les autres équipes ont déjà reçu quelque chose de la part du gouvernement pour leur préparation, la nôtre aussi, Sangabalende. Les deux préoccupations ont rencontré favorablement l'assentiment de son essence, monsieur le ministre du Sport, que je remercie d'ailleurs pour sa spontanéité dans la réaction. Donc il nous a demandé de nous déposer toutes les lettres de demande et il va faire le suivi pour nous permettre d'entrer en possession de cet accord. Alphonse Kouikassangi était accompagné du vice-président de la FECOFA en charge des finances, M. Bobo Bondembe. Notre souhait est que cette fois-ci, au moins, ça revienne jouer devant son public. Et cela nécessite à l'urgence certains travaux. La raison pour fonction de nous voir qui a été attentif, il a demandé à ce que les présidents sponsors de Saint-Rabin de Pousse ont profité de mettre la lettre afin que ça soit transmis au budget. Le deuxième problème, vous savez que Saint-Rabin, comme les autres, représente notre, parmi les clubs qui vont représenter en position africaine. Et pour ce fait, il devait quand même jouer de certains bénéfices comme les autres, c'est-à-dire préparer afin qu'ils puissent bien entrer. Et tous ces deux problèmes-là, le ministre a répondu, il nous a demandé si les dossiers se trouvent à quel niveau. Et nous avons dit tout déjà prêt. Et dès demain, nous allons transmettre tous les deux dossiers afin que, dans un bref délai, tout puisse être réglé. À Kinshasa, Vincent Goyi pour la RTOP.